Shout my cousin, shout my brother, shout my sow, shout my lover, shout my crushes, shout my grandma, shout my mother, shout my father, shout my bongo, shout my buses, shout my winter, shout my summer, shout my haters, shout my judges, shout my face, dog, and all others in my life, rare. They are part of me, baby. I think I got my swagger back, don't stop me, baby. I done seen no bullshit in my life, it don't bother me, baby. I've been outside so much, my house playing songs, screaming water me, baby. Sorry, that's how I'm moving lately. Go black and polar bear blue, not really, I'm bruising lately. She got endless choices for real, but now she ain't choosing lately. I know it's win some, lose some, now I ain't cool with losing lately. So I ain't been losing lately. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas posté et que j'en avais pas filmé. Donc franchement, je suis trop contente de revenir pour ce format. Vraiment, faut que je me motive à en faire plus. Comme vous le voyez, j'ai préparé mon petit déj, donc on est vraiment au tout début de ma journée. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous embarquer dans une journée qui est un petit peu spéciale. Parce que aujourd'hui, ce lundi, je ne travaille pas, comme plusieurs fois en fait dans le mois. Et donc, je peux m'octroyer une journée entière pour bosser sur mes vidéos YouTube, pour faire ce que j'ai pas le temps de faire d'habitude dans ma vie, etc. Donc là, aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est une journée qui est full YouTube. J'ai du coup 2 tournages et demi ou un truc comme ça à faire. J'ai plein de petites choses à régler et tout. J'ai quand même mes courses à faire, un petit peu de ménage et tout. Et puis en plus, petit accident, monsieur le chat que vous avez vu ce matin a fait pipi sur l'oreiller de mon chéri cette nuit, donc du coup je suis obligée de laver les draps, etc. Donc si vous entendez la machine à laver en fond, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je commence par faire une mini aparté sur mon thé matcha. Parce que si vous êtes un petit peu dans l'univers YouTube, etc., ou même des réseaux sociaux en termes général, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de l'effervescence autour du matcha en ce moment. Il y a 2 youtubeuses qui ont sorti leur marque de matcha, c'est-à-dire Stelle et Andiella. Et en plus, on a Anatae Matcha, dont je vous ai déjà parlé, qui fait du matcha de très très bonne qualité. Et en fait, je voulais vous en parler parce que moi, en ce moment, je bois ce matcha-là parce que je l'ai acheté en magasin bio, vraiment des énormes sachets de 500 grammes et tout, et je savais que c'était du matcha de très mauvaise qualité, mais j'en buvais tellement à l'époque que j'avais envie d'avoir une grosse quantité, et puis tant pis s'il était un peu amer. Mais en fait, le problème, c'est que de 1, il a très mal vieilli, de 2, il n'est pas bon, et de 3, je suis en train de me le cotiner depuis très 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 longtemps du coup, et je ne prends plus aucun plaisir à boire du matcha. Et puis là, évidemment, je n'arrête pas de voir du matcha de grande qualité sur les réseaux sociaux, avec tout le lancement de ces marques et tout, et j'ai terriblement envie de repasser commande. Mais bon, je me suis promis que j'allais finir mon sachet à moi avant de recommander du matcha, mais vraiment, si vous êtes intéressé pour un petit test de matcha, que ce soit celui de Stelle, donc Noka Matcha, que ce soit Milia Matcha de Andiella ou alors Anatae Matcha que moi personnellement j'ai déjà testé. Pareil, si vous avez d'autres marques un petit peu en tête, je crois il y a Matcha & Co qui fait quelque chose, et bien n'hésitez pas, peut-être que je passerai une grosse commande pour faire une dégustation de matcha et voir un peu les différences, pour élire mon matcha préféré par exemple. Ce serait vraiment trop cool, je viens d'avoir cette idée de vidéo qui pop dans ma tête. Bref, je vais arrêter de blablater sous cet angle qui n'est pas très flatteur. Je vais manger mon petit déj et puis écoutez, on se retrouve après quand je serai prête, préparée, douchée, lavée, etc. pour commencer mes premiers tournages d'aujourd'hui. Ok, ça y est, je suis coiffée, maquillée, toute prête pour commencer mes tournages. Et aujourd'hui, on va filmer une vidéo que j'ai vraiment pas l'habitude de faire, vraiment vraiment pas, mais que j'avais envie de tester absolument, parce que je vais parler de mode, etc. Je vais parler de vêtements, de tenues, et en vrai, j'adore ça, mais je sais pas trop comment en parler. Donc en fait, là, je vais tourner une vidéo sur ma garde-robe capsule de l'automne-hiver, parce que j'ai réussi à faire un truc plutôt sympa cette année. Alors, je vous montre un petit peu l'envers du décor de ce genre de vidéo, parce qu'il faut préparer plein de vêtements, plein de tenues à l'avance. Et évidemment, il y a le chat qui fait n'importe quoi. Attendez, je vous montre. Voilà. Alors, évidemment, il y a les gros plaids qui se mélangent ici. Mais j'ai des piles entières de vêtements. J'ai le chat qui essaye de manger mes chaussures. Et donc, voilà. Et puis, ce qui est cool aussi, c'est que je vais pouvoir refilmer sur mon spot préféré. Parce que je pense que vous l'avez vu. Attendez, je reviens par ici. Je pense que vous l'avez vu, mais toutes les dernières vidéos sont filmées
avec une luminosité orange atroce dans ma chambre, tout simplement parce que j'ai pas trouvé le temps de les filmer en fait à un autre moment que le soir quand je rentre du boulot et qu'il n'y a absolument plus de lumière en fait. Et donc du coup je peux pas filmer ici parce que ce serait la même chose, et puis en plus il y a généralement Jérémy qui est ici et qui joue le soir, évidemment lui aussi il rentre du boulot, donc du coup je m'isole en fait dans la chambre là pour filmer mes trucs, mais je vais pas vous mentir, c'est vraiment atroce. Donc c'est pour ça que je suis hyper contente de pouvoir retrouver mon petit spot ici, comme ça j'ai une belle lumière, j'ai un décor à peu près potable et au moins je peux bouger, à part si ma caméra est de côté. Voilà, donc écoutez, j'ai envie de commencer ma vidéo, je suis prête, mais j'ai la machine à laver derrière avec l'oreiller à l'intérieur qui ne veut pas finir d'essorer, donc ça va faire 40 minutes que c'est marqué 5 minutes, donc je désespère un petit peu, je vous avoue. Et il y a le chat qui fait n'importe quoi, et bah super, voilà. Allez, je vous laisse, je vais filmer tout ça, enfin je vais surtout attendre que la machine ait fini. Voilà, j'ai terminé de filmer et maintenant c'est un joyeux bordel derrière moi. J'ai eu un problème avec ma machine à laver parce que du coup je l'ai mise sur pause pour pouvoir filmer et elle s'est mise en erreur et tout, je ne sais pas ce qui se passe. Bref, là je vais ranger tout ce bazar et je vais sûrement enchaîner par mon deuxième tournage qui est en fait une sorte d'intro pour la vidéo qui va arriver dans 2 semaines. Et donc voilà, écoutez, on va faire ça et je reviens vers vous après. When I'm by myself, I don't wanna hang around y'all. Pray for good health. One day I'm really gonna ball. Ok, nous y sommes. L'appartement est tout rangé. Et miracle, regardez, la machine à laver est bientôt finie. Voilà. Donc trop cool. Ça, c'est une bonne chose de fait. Et ben voilà, elle est terminée. C'est parfait. Et puis, petit chat, il est en train de taper sa meilleure sieste. Moi, je vous avoue qu'il est midi passé, je commence à avoir un peu faim, mais c'est pas grave. Je pense que je vais filmer quand même maintenant l'intro de ma vidéo de dans 2 semaines. Comme ça, ce sera fait. Vraiment, j'essaye de m'organiser un petit peu différemment de d'habitude aujourd'hui, parce que j'en ai vraiment ma claque de devoir filmer mes vidéos à la dernière minute et d'avoir cette lumière vraiment dégueu. Franchement, je trouve que mes vidéos ont largement baissé en qualité, donc j'ai envie de remédier un petit peu à ça. Attendez, je vous pose là parce que j'ai mal au bras. Donc écoutez, le seul truc c'est que je sais pas encore trop comment on va s'organiser la vidéo dans 2 semaines. Donc du coup pour faire une intro c'est un peu compliqué, mais bref, je vais me débrouiller. Et puis écoutez, cet après-midi j'aurai plus grand chose à faire à part les courses. Et après je pense qu'on discutera un petit peu ensemble parce que j'ai quelques petits trucs à vous dire. Et on sera bon, ça aurait été une journée assez productive. Ok, alors je viens directement de filmer mon intro, ça m'a pris littéralement 2 minutes 30, mais elle était parfaite, je suis hyper satisfaite. Donc écoutez, je vais pouvoir me poser tranquillement, je sais pas si vous voyez, mais je suis en train de regarder la vidéo de Andy Ella. Je vous en ai parlé du coup ce matin, elle a monté une marque de matcha, etc. Je suis un peu mitigée sur le sujet, mais en vérité, c'est une fille qui est tellement, tellement, tellement inspirante. Et je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais il faut que je vous en parle. En fait, je suis de nouveau hyper motivée pour mes vidéos YouTube, pour le métier de l'influence en termes général. J'ai envie de contacter des marques pour faire des partenariats, genre je me sens hyper créative, je me sens hyper engagée là-dedans, et ça faisait vraiment longtemps que je me posais en fait plein de questions sur mes vidéos YouTube, parce que on va pas se mentir, c'est pas mon business le plus lucratif, c'est pas la chose qui m'apporte le plus de sécurité financière, créativement parlant, ou quoi que ce soit, c'est vraiment un loisir qui me prend énormément de temps, pour très 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 peu de résultats. Et en même temps, quand je pense à arrêter mes vidéos YouTube parce que ça me pompe trop d'énergie par exemple, eh bien je me mets à chialer parce que je n'ai pas envie d'arrêter. Et du coup j'ai été longtemps en fait depuis cet été dans un sort d'entre-deux assez bizarre
où j'avais envie d'arrêter parce que j'étais trop fatiguée, et en même temps, l'idée d'arrêter me rendait trop triste. Donc écoutez, j'ai bien fait de ne pas arrêter et de m'accrocher un petit peu, parce que je sens que l'inspiration est en train de revenir. Vous le voyez, de toute façon, aujourd'hui, je consacre une journée entière à bosser sur mes vidéos YouTube, ce qui m'était vraiment pas arrivé depuis très très longtemps, et ça me remplit vraiment de joie, donc ça c'est trop trop cool. Et puis, en ce moment, j'arrête pas de regarder du contenu de personnes qui montent des business, qui voilà, qui sont créatifs et tout, qui s'engagent vraiment dans ce pan-là de leur vie, et je trouve ça tellement tellement inspirant. Donc voilà, écoutez, je suis dans une hyper bonne vibe là-dessus en ce moment, donc je vais essayer de surfer là-dessus le plus longtemps possible. Ok, waouh, on se caille les fesses aujourd'hui, c'est une horreur. De toute façon, la sortie va être de très courte durée parce que j'ai juste à aller faire mes courses, et en plus les courses, j'ai fait un drive que j'ai juste à aller chercher et j'ai rien d'autre à acheter, genre j'ai tout trouvé dans mon drive et tout, donc ça c'est parfait. Et puis écoutez, je crois que je vous ai déjà un petit peu raconté pourquoi je faisais des drives et tout et comment je m'organisais dans mes courses en fait, donc je vais pas trop me répéter, mais c'est vrai que genre je trouve que j'ai trouvé une vraie bonne routine pour mes courses, pour faire mes repas, pour mes trucs et tout, vraiment j'arrive à m'organiser pile poil comme il faut, donc ça c'est trop trop bien. Après évidemment ça ne m'empêche pas de prévoir des petites sorties au resto avec des copains, des copines, ou même en amoureux ou quoi que ce soit, avec la famille, peu importe. Genre je m'empêche pas du tout de faire des sorties à droite à gauche, mais c'est vrai que faire mes menus à l'avance et tout, et du coup faire ma liste de courses pour toute la semaine, c'est vraiment le truc qui m'a le plus simplifié la vie dans toute ma vie. Récupérer, c'est parfait. Et j'étais en train de penser à un truc en fait en attendant ma commande, c'est que j'ai un de mes phares de voiture qui vient de péter en fait, et j'étais en train du coup de chercher dans mon coffre si j'avais des ampoules de rechange et j'en ai pas trouvé. Donc écoutez, je vais profiter qu'il y ait le Noroto pas très loin pour aller acheter des ampoules et voir s'ils peuvent pas me la changer maintenant tout de suite, sinon je le ferai moi-même, c'est pas grave. Mais ouais, je vais aller voir ça tout de suite, comme ça au moins ça sera fait. Ok, nous sommes de retour à la maison avec monsieur le petit chat qui tape sa meilleure sieste sur le canapé. Et en vrai, j'ai bien fait d'aller à Noroto parce qu'ils ont une place cet après-midi. Donc là, j'y retourne en fait dans une petite demi-heure pour déposer les clés et qu'ils me changent mon phare. J'avais prévu de le faire toute seule, mais en fait, ils avaient une place aujourd'hui, donc je me suis pas cassé la tête. J'ai dit au moins ce sera fait, bien fait et rapidement, donc c'est parfait. Je pense que je prendrai mon livre ou mon ordinateur pour patienter là-bas. Du coup j'ai rangé mes courses etc, mais je vous en parle pas trop aujourd'hui parce que dans la vidéo dans 2 semaines ou la semaine prochaine, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais dans la prochaine vidéo, eh bien j'en parlerai un peu plus en détail, donc j'avais pas envie que ça fasse rebond quoi. Cet après-midi aurait dû être plutôt calme et au final je me retrouve à faire des allers-retours à droite à gauche, mais c'est pour la bonne cause, franchement je serais fière de moi à la fin de la journée, j'aurais réglé plein de choses et ça c'est topissime. Parce que ça y est, ma voiture est réparée, en tout cas le phare de ma voiture est réparé, j'y vois enfin clair dans la nuit, c'est parfait. Et là je suis en train de rentrer à la maison, mais le truc c'est que c'est l'heure de pointe forcément, donc du coup je suis à moitié coincée dans les bouchons, c'est fabuleux. Mais écoutez, on a dit que c'était une journée productive, j'ai fait quasiment tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, donc je suis super contente. Je vais rentrer et puis je vais sûrement bosser un petit peu sur mes vidéos YouTube et tout, faire le planning, tout ça. Et on sera bon, franchement, cette journée, pile poil comme il fallait. Je viens de rentrer et regardez qui n'a pas bougé d'un iota. Vraiment, le pacha dans toute sa splendeur. Mais bon, ok, ça fait du bien d'être rentrée en vrai. C'était une bonne journée bien productive, mais j'ai quand même envie de me poser un petit peu. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais transférer tout ce qu'il y a sur ma carte SD sur mon ordinateur, comme ça ce sera fait, et après je vais voir si j'ai tous les plans qu'il me faut pour aujourd'hui etc. S'il en manque, je les tournerai pour les vidéos qui sont censées sortir après, et puis écoutez, je pense que cette journée sera déjà bien remplie.
Ce setup n'a aucun sens avec mes petites culottes derrière, mais bon, je viens de tout transférer sur mon ordinateur et j'ai fait un petit peu un compte-rendu de tout ce que j'avais filmé aujourd'hui. Honnêtement, pour le vlog d'aujourd'hui, on est presque prêt. D'ailleurs, vous le voyez dehors, il fait quasiment nuit. Donc du coup, je sens que la lumière va redevenir dégueulasse. Donc je pense que je vais pas vous infliger ça plus longtemps. Mais je me suis rendu compte qu'il reste quand même un petit plan à faire pour la vidéo qui sort dans 2 semaines. Donc écoutez, je vais faire ça maintenant et comme ça, ce sera fait. Et puis écoutez, on sera bon. Je suis littéralement dégoûtée parce que je voulais commencer à faire le montage et tout de cette vidéo. Donc je mets tous les fichiers sur mon disque dur et tout. Et tout va bien, je supprime ce qu'il y a sur ma carte SD sans vérifier que tout s'est bien importé et j'arrache mon disque dur sans faire exprès. Sauf que l'outro est littéralement resté en suspens dans son téléchargement. Donc du coup j'ai tous les fichiers, heureusement merci, sauf le dernier. Donc du coup, eh bien, je n'ai pas l'outro de cette vidéo. Donc je suis obligée de la faire maintenant. Heureusement que je m'en suis rendu compte maintenant tout de suite parce que je n'imagine pas la galère si je m'en étais pas rendu compte. Mais écoutez, tout ça pour vous dire que j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Moi perso, ça m'a tellement mais tellement fait plaisir de recommencer à vlogger et tout. Je vous ai dit, j'avais un peu perdu la passion des vidéos et là aujourd'hui c'est revenu en force. Je suis trop trop motivée, donc écoutez, je suis super contente. Dans tous les cas, si jamais vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao.